Un jour, nous avons décidé de nous écouter et de suivre nos rêves en parcourant le monde, accompagnés de notre chien Sully et de notre van Gustavo. Est-ce que vous êtes prêts vous aussi? Alors on y va! Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Pour la petite information, nous sommes arrivés en Espagne. Pas trop le voir, là on est actuellement dans les Pyrénées, on est officiellement en Espagne, mais avant tout dans ce vlog là ce sera pas l'Espagne, ça c'est pour bien plus tard, on a un petit peu d'avance sur les vlogs. Dans ce vlog je vais te donner 2-3 petites informations avant qu'on commence la vidéo. Donc après la couvertoirade on a rejoint ma soeur qui nous a rejoint du coup dans l'aventure, elle est officiellement avec nous, hein. On était sur un spot à 360 degrés en France, c'était juste trop magnifique mais vraiment incroyable. Et ensuite on a passé 2 jours un peu sans caméra parce que c'était les premiers jours où on s'est revus avec ma soeur, etc. Le premier jour de ces 2 jours, c'était l'anniversaire à Jade. Alors bien sûr qu'on a beaucoup moins filmé, on a pris quelques photos. Mais ça, Jade vous expliquera en voix off un petit peu ce qu'on a fait. Comme ça, vous n'êtes pas perdu par rapport à tout ça. Et puis ensuite, bah, on est reparti pour des visites, etc. Mais vous allez voir tout ça de toute façon dans cette vidéo. Donc c'est trop bien. Et puis bah, en tout cas, j'espère que vous kifferez cette vidéo. Donc je vous laisse avec Jade. Bonne vidéo à vous et puis on se reprend à la toute fin de la vidéo pour des petites explications pour la suite aussi. Allez, des bisous, bonne vidéo. Coucou. Alors, je vais te raconter un petit peu notre journée du mercredi 4 octobre. Déjà pour commencer, c'était mon anniversaire et franchement, je n'aurais pas pu demander mieux car le matin, j'ai eu mon tout premier massage à l'extérieur avec une dame qu'on a rencontrée le soir d'avant sur le spot. Franchement, ça m'a fait vraiment trop plaisir. On était dans un cadre idyllique, alors on a profité pour sortir tout le matos. J'ai vraiment mis cette dame dans une ambiance telle qu'elle le méritait pour avoir un massage à l'extérieur. Après avoir terminé le massage, eh bien, on a plié bagage et on est parti direction le Cap d'Agde. Qui dit Cap d'Agde dit mer. Oui, c'était trop bien. On a passé un superbe beau moment. Laura et Bastien se sont baignés pendant que moi, eh bien, je ramassais des coquillages. Ensuite, on a eu faim et on est allé dans un sorte de snack. C'était super bon. Comme on avait rendez-vous seulement à 19h au restaurant, on a profité pour retourner à la mer, ramasser des coquillages pour des créations qu'on fait avec Laura. Oui, avec Laura, on s'est lancé dans création de bijoux avec des coquillages qu'on a ramassés au Cap d'Agde. Donc on fait des colliers pour chiens, des pendules et puis aussi des petits bijoux pour les dreads. Franchement, c'est trop bien. On s'éclate trop en faisant des créations. Arrive 19h, donc l'heure d'aller au restaurant. À notre arrivée, on a été accueillis par le patron du restaurant. On a pris des huîtres et un plat d'Agde. Pour le plat, c'était un loup, une dorade et cabillaud, servi avec du riz, des légumes, petite sauce. Et pour le dessert, on a pris une crème brûlée, une panna cotta et une prune rôtie au four. C'était juste un régal, un pur délice. On a super bien mangé. Pour la petite anecdote, j'ai oublié ma carte bancaire sur le comptoir. Franchement, cette journée, elle était juste incroyable. Et ensuite, on est rentré au van. Et on a dormi dans un petit parking privé. Et puis je remercie Laura et Bastien, ainsi d'autres personnes pour cette magnifique journée. Et aussi à toutes les personnes qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Thank you.
J'espère que vous allez bien. C'est dimanche. Et qui dit dimanche dit marche pas du tout. Ça n'a rien à voir. Mais du coup, on va faire une petite marche depuis notre spot. Donc, on est posé juste là. D'ici, pour aller jusqu'à Salles-le-Château, visiter le château, aller au centre-ville, boire un petit café, etc., etc. Et puis, on va revenir par les marais. En fait, il y a une grande balade de 2 heures. Et du coup, on va faire cette petite marche ce matin. Et puis voilà, en tout cas, on est posé à un spot, c'est juste sublime. Allez, go, Susu ! On y va ! Les pommes de terre. Et cet après-midi, oui, je voulais vous montrer, on a été chercher en fait, si vous voulez, dans les marais ici dans le sud de la France, enfin surtout au bord de la mer Méditerranée, il y a des petites plantes qui s'appellent du salicorne. On a mangé ça au restaurant le jour de l'anniversaire à Jade. Et en fait, si vous voulez, il nous a dit qu'il les met dans le vinaigre. Donc, on en a ramassé, ils sont juste là. On les a mis dans le vinaigre avec des feuilles de laurier et de l'ail. Et puis, on va laisser reposer, je pense, une semaine. Et puis, après, on verra si c'est bon et tout. On vous tiendra au courant. Mais voilà, on a fait cette petite recette. Alors voilà, du coup, bah, on va faire à manger. Et puis, bah, bon appétit. Bon appétit. Des fois, je me demande si c'est vraiment ma sœur. Mais bon. Bon appétit. Bon, ce matin, on est parti tôt, on a rempli les bidons comme vous avez pu le voir et on a été faire 2-3 courses et une lessive. Du coup, c'est de nouveau l'étendoir dans le van, les deux. Et puis maintenant, on va aller au petit maraîcher acheter les fruits et les légumes. Et ensuite, sûrement qu'on va aller visiter Euse. Il est classé dans les plus beaux villages de France, donc on a trop hâte. Je sais pas si on va le faire aujourd'hui ou demain, mais peut-être aujourd'hui quand même. Donc voilà, on est parti.
voilà, on vient d'arriver à notre spot. Non, pas du tout, on vient pas d'arriver. Ça fait déjà des heures qu'on y est. Mais t'as eu le temps de taper une sieste et tout. Exactement, on l'a fait. Et puis là, en fait, on est dans un parking pour aller à des grottes. Et du coup, bah, c'est super sympa. C'est au bord d'une rivière et tout. Je vais vous montrer. C'est super beau. J'ai une jaquette, il fait pas très froid, mais moi j'ai froid. Je pense que je suis en train de tomber malade, mais on verra bien. Je sais pas, peut-être c'est juste la fatigue que j'ai accumulée, parce que cette nuit j'ai vraiment très mal dormi. Et voilà. Ah oui, on a des voisins ce soir. Alors d'abord on voulait se mettre ici. Le problème c'est qu'il y a la route là, juste derrière, et les gens ils roulent comme des malades. Alors on s'était dit non. Et nous ici, bah, on passe pas forcément parce qu'il y a les arbres. Donc on s'est mis à la place des bus. Voilà. Hein, Susu? Ouais. Du coup, t'as expédié où on allait demain? Non, pas encore, mais ça, je vais te laisser faire. Donc là, comme elle vous a dit, on est sur un parking des grottes de... J'ai oublié le nom, je l'ai vu juste avant, mais enfin bref. Et du coup, demain, on va visiter un autre des plus beaux villages de France, Villefranche-sur-Conflent, c'est ça? Voilà. Et en dessus du village, il y a 700 marches et en haut, il y a une un abbaye fortifié. Du coup, on va aller visiter tout ça demain. C'est pour ça qu'on est sur le parking de la grotte qui est à côté du village de Villefranche, qu'on peut y aller à pied, laisser les vannes ici. Voilà, c'est expliqué. Voilà. Et après, on descendra un petit peu plus direction l'Espagne. Espagne. Voilà. Maintenant, je vais aller faire du montage.